Alors là, comment on peut faire pour que la boîte soit entièrement... Alors, bascule latérale. Voilà. Donc bascule latérale, on a le corps avant, le corps arrière, on l'a mis comme ça. Tout le monde suit ? Bascule latérale, c'est comme ça. J'ai 16 ans, je suis en première photographie. J'ai voulu aller dans cette filière parce que la photo, c'était une passion pour moi. J'ai vraiment pris conscience il y a à peu près 2 ans que j'adore la photo et que je voulais en faire mon métier. J'aimais donner des sensations juste au regard d'une photo. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans la photo, c'est de pouvoir donner son opinion sur quelque chose, son point de vue, à sa façon. Placer le matériel, l'éclairage. Ensuite, donc placer la boîte comme le sujet l'indique. Et pour avoir bien la face qui est ici, qu'elle soit nette, même si on a un diaph ouvert, on doit faire une bascule latérale sur le corps avant. Donc ensuite, on va essayer d'avoir 6 cm sur le verre dépoli. Et ensuite, on fait la mise au point, on règle l'éclairage, la lumière, on calcule G et on shoot. Je crois que je préfère l'argentique au numérique. Moi, je préfère plutôt le numérique. Sur l'argentique, moi, j'aime bien voir le grain qu'il y a vraiment sur la photo. Je suis très basée sur le numérique parce que, entre guillemets, il faut vivre avec son temps. Beaucoup plus numérique. Argentique, à part au lycée, j'ai jamais vraiment trop manié. Photo argentique est généralement plus réfléchie qu'une photo numérique. Parce qu'une photo numérique, on prend notre photo, on regarde, on se dit bon, on peut supprimer, c'est bon. De Pardon, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé et beaucoup regardé, c'est sa gestion des couleurs sur ses photos. Je connaissais surtout pour la photo du président, oui. Que j'avais apprécié pour les photos qu'on m'avait montrées, c'est vraiment le côté instant volé, mais qui est quand même très humaniste. Il a fait pas mal de voyages que j'ai vu, donc ça correspond un peu à ce que je veux faire, du coup je suis forcément attiré par ce qu'il fait. Sur celle-là, il y a de belles lignes de fuite. Et puis elle sort bien, la gamine. Ouais, voilà, elle sort bien avec la robe rose et tout dans un paysage vachement gris. On dirait presque que tout a été désaturé, sauf la petite fille, pour vraiment que le regard se fixe directement sur elle. Et après, on se rend compte de l'univers un peu glauque, un peu très dramatique autour d'elle. Et ça fait un contraste un peu saisissant avec la robe rose. Il s'est mis en scène pour qu'on le voie, d'après ce qu'on a compris, avec sa nouvelle moto. Il était fier de s'être acheté, il voulait se faire montrer, se faire voir aussi. C'est une photo qui est maintenant connue, qu'on a dû tous voir au moins une fois.